Offrande, acclamation à Jésus-Christ. A clap offering to Jesus Christ. Chers frères et sœurs, beloved brothers and sisters, nous allons procéder au send-off de nos missionnaires ce soir. We are going to go on with the send-off of our missionaries this evening. Que quelqu'un lise pour nous Romains chapitre 10. Let someone read for us Romans chapter 10, du verset 11 au verset 15. From verse 11 to verse 15. Romains, chapitre 10, versets 11 à 15. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Romans 10, verse 11 to 15. For the scripture says, whoever believes in him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord over all is rich to all who call upon him. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him whom they have not heard, whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Amen. L'évangile n'est pas un simple message. The gospel is not a simple message. L'évangile est une institution. The gospel is an institution. Une institution divine. A divine institution. Jésus a bâti son église. Jesus built his church. Il a donné un travail à cette église. And he gave work to that church. C'est de prêcher la bonne nouvelle. And that work is to preach the good news. C'est d'annoncer l'évangile. Is to proclaim the gospel. C'est d'annoncer aux hommes ce que Dieu a entrepris pour leur salut. It is to announce to men what God undertook for their salvation. C'est montrer aux hommes le chemin de la vie éternelle. It is showing men the way to eternal life. C'est expliquer aux hommes le plan de rédemption de notre Dieu. It is explaining to men the redemption plan of our God. Quand les gens ont des problèmes, when men have problems, ils pensent que Dieu les a abandonnés. They think that God has abandoned them. Il y a même des grands savants qui ont critiqué Dieu. There have been great thinkers who criticized God. Qu'il a créé l'homme. That he created man. Et il a abandonné dans les problèmes. And he abandoned man in problems. Non. That's not the case. La preuve est là. This is the proof. L'évangile existe dans le monde. The gospel exists on the earth. En 1981. In 1991, j'ai donné ma vie à Jésus. In 1981, I gave my life to Jesus. Comme le fruit de l'évangile. As the fruit of the gospel. Et dans cette salle, and in this hall, il y a des gens qui ont entendu l'évangile. There are people who have heard the gospel. Qui ont donné leur vie à Jésus. Who gave their lives to Jesus. Et qui sont sauvés. And they are saved. Dont les péchés sont pardonnés. And their sins have been forgiven. Donc les chaînes de captivité ont été brisées. And their chains of captivity have been broken. La malédiction a été ôtée.
The curses have been taken off. C'est le fruit de l'évangile. It is the fruit of the gospel. L'évangile est une organisation. The gospel is an organization. C'est une entreprise. It is an enterprise. Ça demande des hommes. It demands men. Des agents humains. Human agents. Ça demande une mobilisation de fonds. And also the mobilization of funds. C'est une vie. It is a life. C'est une entreprise. It is an enterprise. C'est une œuvre. It is a work. C'est une puissance. It is power. Pour le salut de l'humanité. For the salvation of humanity. Nous avons formé des missionnaires. We trained missionaries. Nous allons les envoyer. And we are going to send them. Mais la parole de Dieu dit, but the word of God says, pour que quelqu'un donne la vie à Jésus, for someone to give his life to Jesus, il faut qu'il ait entendu l'évangile. That person needs to have heard the gospel. Et la parole dit, and the word says, comment y aura-t-il donc, comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu parler? How would they hear? How would they believe when they have not heard? Et comment vont-ils entendre parler s'il n'y a pas de prédicateur? And how would they hear when there is no preacher? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si les prédicateurs n'ont pas été envoyés? And how would there be preachers if preachers have not been sent? Ceci veut dire qu'une œuvre normale, this means that a normal work, doit former des missionnaires et les envoyer. Must train and send missionaries. Comment y aura-t-il des prédicateurs? How will there be preachers? S'ils n'ont pas été envoyés. If they have not been sent. Il faut qu'il y ait des prédicateurs. There must be preachers. Pour que la parole soit proclamée. For the word to be proclaimed. Et que les pécheurs perdus entendent et croient. So that the lost sinner would hear and believe. Mais, but ça demande une organisation. It needs an organization. Ça demande qu'il y ait des gens qui ont la capacité de mobiliser les autres. It means that there should be people who have the capacity to mobilize others. De leur donner les moyens adéquats pour aller vers les païens. Giving them the adequate means to go towards the unbelievers. De leur donner la sécurité nécessaire. To give them the necessary security. Pour qu'ils puissent aller librement et prêcher librement. So that they can go freely and preach freely. Qu'est-ce qui comprend les paraboles? Who understands parables? This parable. Il faut une mobilisation de fonds. We need the mobilization of funds. Parce que les missionnaires doivent manger. Because missionaries must eat. Quand ils sont envoyés. When they are sent. Ils doivent habiter dans des maisons. They need to stay in houses. Payer les loyers. They need to pay rents. Ils ne doivent avoir aucun souci à ce niveau-là. They should have no worries at that level. L'église doit s'organiser. The church must organize pour que cette entreprise marche, so that that enterprise should work au niveau national et au niveau mondial. At the national and at the international level. Il y a donc les dons des personnes. So there is therefore the gift of people. Il y a les dons des moyens. And then there is the gift of means. Comment entendront-ils l'évangile s'il n'y a pas eu de prédicateur? How would they hear the gospel if there is no preacher? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si on ne les a pas envoyés? And how would there be preachers if they have not been sent? Et la question peut continuer. And the question can continue. Comment y aura-t-il des hommes à envoyer s'ils ne se sont pas offerts? How can there be people to send if they don't offer themselves? Comment pourra-t-on envoyer ceux qui se sont offerts s'il n'y a pas les moyens, s'il n'y a pas les fonds? How can we send those who have offered themselves if there are no funds, if there are no means? Et quand ils sont envoyés, and when they are sent, il faut prier, intercéder pour leur réussite. And we need to pray and intercede for their success. Donc je disais, c'est une organisation. So I was saying that it's an organization. C'est une entreprise. It is an enterprise. Dieu est le directeur général. And God is the general manager. Il est le père, l'initiateur de la mission. He is the father who initiated missions. Dans le plan de rédemption, in the redemption plan, le premier missionnaire, the first missionary, quand Dieu a décidé qu'il enclenche le plan de rédemption, to trigger the plan of redemption, le premier missionnaire, c'est Abraham. The first missionary was Abraham. Dieu est allé le prendre du milieu de son peuple. God went and took him from the midst of his people. Et il dit, sors de ta patrie, quitte ta patrie, quitte ton pays. He quitte said, la maison de ton père. He said, leave your fatherland, leave your nation, leave your father's house. Viens recevoir un héritage. Come and receive an inheritance. C'était le début
de la constitution d'une nation qui invoque ou qui devait invoquer le nom de Dieu et le nom de Dieu seul. That was the beginning of the constitution of a nation that had to call on the name of the Lord and the name of the Lord alone. Et il y a des vertus qui ont caractérisé Abraham. And there were virtues that were characteristic of Abraham. Et je demande à ceux qui vont partir ce soir, and I'm asking those who would go this evening, d'avoir le cœur attaché à ces vertus-là. To have hearts that are attached to these virtues. Abraham croyait en Dieu. Abraham believed in God. Tu notes que je dois croire en Dieu. Note that I must believe in God. Abraham croyait Dieu. Abraham believed God. Tu dois noter que je dois croire Dieu. Write down, believe, I must believe God. C'est-à-dire quand Dieu parle, je dois croire. It means that when God speaks, I must believe. Je dois croire ce qu'il est. I must believe in who he is. Je dois croire ce qu'il dit. And I must believe what he says. Abraham craignait Dieu. Abraham feared God. Il ne s'était pas limité à avoir la foi en Dieu. Il craignait Dieu. He did not limit himself to having faith in God, but he feared God. Et viens lire pour nous Genèse 22. Come and read Genesis 22 for us. Nous allons sélectionner les textes qui nous intéressent. We are going to select the text that are of interest to us. Lis d'abord le verset 1 et 3. Verse 1 to 3. Genèse chapitre 22, versets 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Elle répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Genesis 22, verse 1 to 3. And it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here am I. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. Verset 9 à 12. Verse 9 to 12. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'envase pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. » Then they came to the place of which God had told him. And Abraham built an altar there and placed the wood in order. And he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. And he said, Do not lay your hand on the lad, and do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Amen. Donc, il craignait Dieu. So he feared God. Je dis, je sais maintenant que tu me crains. God says, now I know that you fear God. Les missionnaires doivent craindre Dieu. Missionaries must fear God. Il faut que quelque chose t'habite qui te dit, n'offense pas Dieu. Something must dwell in you which tells you, do not offend God. Il faut que tu aies la révélation de ses jugements.
You must have the revelation of his judgments. Si tu ne crains pas Dieu, if you don't fear God, les hommes, les gens ne craindront pas Dieu. Men will not fear God. Your men will not fear God. Un missionnaire est un conquérant. A missionary is a conqueror. Il impose le modèle divin. He imposes the divine model. Il enseigne aux hommes à avoir la foi. He teaches men to have faith. Il enseigne à craindre Dieu. And he teaches them to fear God. Il était un ami de Dieu. He was a friend of God. Tu dois être un ami de Dieu. You must be a friend of God. Dieu lui révèle ses secrets. God revealed his secrets to him. Il dit, il ne faut pas que je cache à Abraham ce que je vais faire. He said, I must not hide from Abraham what I'm about to do. S'il y a un problème, if there is a problem, dans la nation, in the nation, dans ta localité, in your locality, tu dois être de ce que Dieu révèle ce qui doit arriver. You must be one of those to whom God reveals what is going to happen. C'est ça qui te permettra de dire à la population, soyez calme, ne craignez rien. That is what permits you to tell the population, be calm, fear nothing. Parce que Dieu m'a dit qu'il n'y aura rien. Because God told me that there will be nothing. Si tu as peur, tu trembles. If you are afraid and you tremble, tu vas bâtir un peuple craintif. You will build a fearful people. Ignorant et craintif. You build an ignorant and fearful set of people. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Shall I hide from Abraham what I'm about to do? Il sera certainement une grande nation. He will certainly be a great nation. Dieu t'a établi dans le dessein éternel. God has established you in his eternal purposes. Tu seras grand. You will be great. Là où tu vas, where you are going to, tu seras grand. You will be great. Dieu va t'accompagner. God will accompany you. Dieu va te parler. God will speak to you. Dieu va te révéler les choses cachées. God will reveal hidden things to you. Je dis cela comme un témoignage. I am saying this as a testimony. Dieu nous a aidés. God has helped us. Il y a eu des choses que je ne comprenais pas. There were things that I did not understand. Dieu m'a donné des visions claires. God gave me clear visions. Dieu m'a introduit dans des expériences claires que personne ne peut détruire. Aucun démon ne peut détruire. God brought me into clear experiences that nobody, no demon can destroy. Il va te traiter de la même manière. He will treat you in the same way. Parce qu'il veut que tu aies un fondement solide pour ta foi. Because he wants you to have a solid foundation for your faith. Dieu est réel. God is real. Quand il t'envoie, il t'équipe. When he sends you, he equips you. Vous n'allez pas échouer. You will not fail. Vous n'allez pas échouer. You will not fail. Vous allez commander aux démons et ils vont fuir. You are going to command demons and they will flee. Vous allez briser les barrières de haine. You are going to break the barriers of hate. Vous allez restaurer des familles entières. You are going to restore entire families. Vous allez ramener l'espoir dans les vies des hommes. You are going to bring back hope into the lives of men. Vous allez prêcher la bonne nouvelle. You are going to preach the good news. L'armée du Seigneur va vous accompagner. The host of the Lord will accompany you. Toutes les personnes qui vont vous accueillir seront bénies. All the people who welcome you will be blessed. Vous verrez la main de Dieu vous accompagner. You will see God's hand accompanying you. L'onction qui sera libérée ce soir. The anointing that will release this evening va couvrir tous les champs de mission. Will cover all the mission fields. Tous ceux qui sont partis depuis le début de cette œuvre. All those who went since the beginning of this work vont vivre une visitation divine. Will live a divine visitation. Dieu n'échoue jamais. God never fails. Le Seigneur Jésus n'échoue jamais. The Lord Jesus never fails. Seigneur, une promotion qu'en envoyant, tu permets une extension, un renouvellement. Même pour ceux qui sont partis depuis, quelle grâce, quelle miséricorde. Merci de te souvenir de tous qui sont partis.
Merci Seigneur pour l'onction libérée, pour rafraîchir et permettre de fraîches visitations dans les champs de mission partout. Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Amen. Merci pour cette parole, oh, cette prophétie que tu nous donnes expressément. Que l'onction qui sera libérée ce jour va couvrir tous les champs de mission. Seigneur, merci pour ces paroles de bénédiction, ces paroles d'encouragement, ces paroles qui nous fortifient, Seigneur, et qui nous donnent l'assurance, qui nous établissent dans l'assurance, Seigneur, que tous ceux que tu as envoyés, tous ceux qui sont déjà partis, tous ceux qui iront maintenant, tous ceux qui viendront après, réussiront, Seigneur, parce que tu as libéré l'onction pour le succès. Nous te disons merci. Et nous te bénissons pour cela. Oh Père, nous acceptons ces paroles et nous les faisons nôtres au nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham était un homme de prière. Abraham was a man of prayer. Un intercesseur. An intercessor. Quand Dieu lui a révélé ce qui devait se passer à Sodome et Gomorrhe, when God revealed to him what was to happen in Sodom and Gomorrah, il a commencé l'intercession. He started to intercede. Soyez des intercesseurs. Be intercessors. Priez pour les brebis. Pray for the flock. Priez pour celles qui sont fortes. Priez pour celles qui sont faibles. Pray for those who are strong. Pray for those who are weak. Priez pour celles qui sont malades. Priez pour celles qui ne sont pas malades. Pray for those who are sick and pray for those who are not sick. Priez pour ceux qui s'égarent. Priez pour ceux qui sont perdus. Pray for those who go astray and pray for those who are lost. Dieu va exaucer. God will answer. Et priez avec patience. And pray with patience. Priez avec persévérance. Pray with perseverance. Dieu va exaucer. God will answer. Frères bien-aimés. Beloved brethren. Nous devons atteindre le but avant toutes les dates que vous connaissez. We must reach the goal before all the dates that you know. C'est possible. It is possible. Je disais l'autre jour que des familles entières, il y aura un moment où l'évangélisation sera faite par Dieu lui-même. I was saying the other day that there will be a moment when evangelism will be done by God himself. Donc ne regarde pas ta petite force. Do not look at your little strength. Attends-toi à voir des choses que l'œil n'a jamais vues. Wait to see things that eyes have never seen. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Une sœur m'a envoyé un message. A sister sent a message to me. Elle dit qu'elle avait vu en vision. That in a vision she had seen. Je prends la partie qui nous intéresse. Dans la vision, des maisons venaient en rang. Ça dit pas des hommes. Les hommes marchaient vers nous, mais comme en forme de maisons. She said that in a vision she saw houses coming to us, that is, men were coming to us, but in the form of houses. Il y avait des personnes normales qui marchaient, qui venaient. There were normal people who were coming. Il y avait des maisons qui venaient. And then there were houses coming. Quand elle m'a dit ça, when she told me that, quand j'ai écouté le message, and when I listened to the message, le Seigneur m'a ouvert l'esprit. The Lord opened my spirit. Ce que je disais, je crois, un mardi. To what I was saying on a certain Tuesday. Des familles. Le Seigneur me dit que les maisons là, c'est les familles qui viennent. And the Lord was telling me that those houses are families that are coming. En rang. They're coming in a queue. C'est-à-dire, il y a des Dieu va dire aux gens, allez-y. God will tell people, go there. On va vous bâtir. You will be built up. Et c'est la vérité. And it is the truth. Dieu va dire, allez-y. God will tell them, go. On va vous délivrer sans prendre un seul sou. They will deliver you without taking a dime. Et c'est la vérité. And it is the truth. C'est ce que nous faisons dans la nation depuis 95. And that is what we have been doing in the nation from 1995. Dieu va dire aux gens, allez-y. God will tell people, go there. Ils vont vous enseigner à me craindre. They will teach you how to fear me. À me chercher. To seek me. Et Dieu sait que c'est vrai. And God knows that it is the truth. C'est ce qu'on a fait sur nous dès les premiers jours de notre conversion. That's what we did on ourselves from the first day of our conversion. Donc,
Restons concentrés et fidèles. So let's remain concentrated and faithful. Lisez pour nous Marc chapitre 10 verset 18 à 31. Read for us. Verset 28 à 31. Marc 10. Read for us Mark chapter 10 from verse 28 to 31. Marc chapitre 10 verset 28 à 31. Pierre se mit à lui dire: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Mark chapter 10 from verse 28 to 31. Then Peter began to say to him, see, we have left all and followed you. So Jesus answered and said, assuredly I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel's, who shall not receive a hundredfold now in this time, houses, brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and in the age to come eternal life. But many who are first will be last and the last first. Amen. La condition pour que cette prophétie s'accomplisse. The condition for this prophecy to be accomplished. C'est que chacun connaisse une double consécration. Is that each one should know a double consecration. Une consécration au Seigneur Jésus lui-même. Consecration to Jesus Christ himself. Et une consécration à l'entreprise de l'évangile. And a consecration to the gospel enterprise. Et de tous ceux qui quittent leur famille, leur terre, leur bien, leur richesse pour l'amour de Jésus et pour l'amour de la bonne nouvelle recevront chaque chose au centuple. He says, all those who have left family, their lands, their riches for the Lord and for the gospel will receive a hundredfold all those things that they have left. Frères bien-aimés, beloved brethren, si tu donnais, if you used to give à l'entreprise missionnaire, to the missionary enterprise, si tu peux doubler, double. If you can double it, please do. Si tu aimais Jésus, if you love Jesus, il faut grandir dans la connaissance et dans l'amour. You should grow in your knowledge and in your love. Grandis dans ce que tu faisais. Grow in that which you used to do. Consacré à Jésus. Consecrated to Jesus. Consacré à l'évangile. Consecrated to the gospel. Quand tu marches, when you walk, tu te dis, you tell yourself, il ne faut pas que je pose un acte qui bloque l'évangile. I must not carry out an action that blocks the gospel. C'est ce que ça veut dire. That is what it means. Tu dis, je supporte telle chose. You say, I can bear this. Pour que l'évangile prospère. So that the gospel can prosper. Je supporte telle chose. I am bearing this. Pour que l'évangile progresse. For the gospel to move on. Et c'est ça qu'on appelle la consécration à l'évangile. That is what we call consecration to the gospel. Tu es toi-même un instrument, un agent humain pour proclamer. You are therefore yourself a human instrument to proclaim. Mais tu prends les dispositions pour que ta vie sanctifiée fasse grandir l'évangile. But you take personal dispositions such that your sanctified life should make the gospel to grow. Tu te sanctifies pour le progrès de la bonne nouvelle. You sanctify yourself for the progress of the good news. Les familles, families, viendront comme ces maisons que la sœur a vues en lien qui venaient. Will come like those houses that the sister saw coming. Ne craignez pas l'ennemi. Do not fear the enemy. S'il se lève, if he rises, la terre va s'ouvrir. The earth will open. Et va l'engloutir. And will swallow them up. L'évangile, the gospel, c'est l'entreprise de Dieu. It is God's enterprise. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Jesus said, I'll be with you every day. Jusqu'à la fin du monde. Until the end of the age.
Tous les jours. Every day. Il est écrit. It is written. Si l'on forme de complot, if they plot against, cela ne vient pas de moi. If they plot against you, will not come from me. Si tu vois un plan contre toi, Dieu n'est pas dedans. Il ne sera jamais dans les mauvais plans contre toi. If you see a plot against you, God is not in it. God will never plot evil against you. Mais il a dit, but he said, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Everyone who rises against you will fall under your power. Ne t'occupe pas des ennemis. Do not worry about your enemies. Sois concentré sur la bonne nouvelle. Be concentrated on the good news. Sois concentré sur Jésus-Christ. Concentrate on Jesus. Ne te protège pas. Do not protect yourself. Tu n'as même pas les moyens humains pour le faire. You don't even have human means to do it. Crois seulement. Only believe. Tu verras la gloire de Dieu. And you see the glory of God. Qu'est-ce que je veux dire? What am I? Il n'y a pas seulement que les missionnaires. It doesn't concern only the missionaries. Toi-même, tu es missionnaire. You yourself are a missionary. Dans ta maison. In your house. Dans ton quartier. In your neighborhood. Dans le bus. In the bus. Les quelques minutes dans le bus, c'est une mission. The few minutes that you spend in the bus is a mission. Même quand tu marches à pied, tu es missionnaire. Even when you are walking on foot, tu es missionnaire. You are a missionary. Auprès de ceux que tu croises en route. Towards those that you meet on the way. Nous sommes missionnaires. We are missionaries. Dis amen. Say amen. Et nous sommes tous missionnaires. We are all missionaries. Lève tes mains. Raise your hand. Dis Seigneur. Say Lord. Accepte-moi. Accept me. Accepte-moi. Accept me. Et utilise-moi. And use me. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Et nous allons donner la parole au pasteur Tio. We're going to give the floor to Pastor Tio. Je prends la parole au nom de l'école de la connaissance et du service de Dieu. I'm taking the floor on behalf of the school of knowledge of the knowledge of God and the service of God. Cher leader Menier Boniface. Dear leader Menier Boniface. Chers anciens de l'église d'Abidjan. Dear elders of the church in Abidjan. Chers missionnaires. Dear missionaries. Chers frères et sœurs bien-aimés. Dear beloved brethren. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. We greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Nous voici à la fin de la 10e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Here are we at the end of the 17th edition of the 10th edition of the School of the Knowledge and the Service of God. Notre prestigieuse école de formation de missionnaires nationaux et internationaux. Our prestigious school of training for national and international missionaries. Cette 10e session s'est tenue depuis le lundi 15 février 2021. This 10th session began from the 15th February. Jusqu'à ce jour. Up to this day. Elle a vu la participation de 85 étudiants. It saw the participation of 85 students. Venus de plusieurs localités du pays. Who came from many places of the country. Que nous avons formé. They have been trained. Ce qui élève le nombre de nos missionnaires à 411. And they amount, they raise the number. They raise the number of our missionaries to 411. En cette soirée bénie. In this blessed night. Nous voudrions d'une manière solennelle faire deux choses. In a solemn way, we would like to do two things. D'une part, on the one hand, louer le Seigneur, to praise the Lord, lui rend toute la gloire et tout l'honneur, to give him all the glory and all the honor, pour son assistance, for his help, pour sa présence manifeste, for his manifested presence, et surtout pour sa protection en ces temps de pandémie de COVID-19, and mainly for his protection during this time of COVID-19. Et d'autre part, on the other hand, dis merci au leader Menier Boniface. We would like to thank our leader Boniface Menier, l'instigateur de cette école, who has prompted this school.
pour son engagement, for his commitment, et pour tous ses efforts, session après session, and all his efforts, session after session, qui ne cesse de déployer pour l'organisation et la bonne marche de cette école. For the good move of this school. Nos remerciements aux anciens et aux dirigeants de l'église d'Abidjan pour leur soutien et leur encouragement. Our thanksgivings also go to the elders and to the leaders of the church in Abidjan for the encouragement. Nos remerciements à tout le corps des enseignants pour leur présence et surtout pour les enseignements de qualité qu'ils ont dispensés. Our thanksgivings also go to all the body of teachers for the presence and for the quality of the teachings we received. Nos remerciements également à tous les frères et sœurs qui nous ont d'une manière ou d'une autre soutenus et encouragés. Our thanks also go to all the brethren who, in a way or another, brought us their assistance. Nous voudrions vous supplier. We would also like to plead with you. De prier avec nous le maître de la moisson. That you could pray with us, the master of the harvest. Pour qu'il suscite et envoie davantage d'ouvriers dans sa mission. So that he could raise and send more and more workers in his. Nous voudrions vous supplier. We would also like to plead with you. De prier avec nous. To pray with us. Le maître la moisson, the master of the harvest, pour susciter, to raise et envoyer davantage d'ouvriers, and send more and more workers dans sa moisson, in his field. Que Dieu tout puissant, may the powerful God, vous bénisse et vous garde, bless you and keep you. Je vous remercie. I thank you. Nous allons proclamer les résultats de cette 10e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Now we are going to proclaim the results of this 10th session of the School of Knowledge and Service of God. Mais avant cela, je voudrais vous présenter les collègues qui ont servi avec moi. But before that, I would like to introduce to you the colleagues who worked with me. Vous avez le pasteur Gogo Achi de Daloa. You have Pastor Gogo Achi from Daloa. Qui est un encadreur et un enseignant de l'école. Who is one of the teachers of the school. Le pasteur Kwame Fabrice. Pastor Kwame Fabrice. Lève la main. C'est un encadreur de l'école. He is also one of le pasteur Jega Meda, notre missionnaire de Divo. Pastor Jega, our missionary to Divo. Le pasteur Yorowa, notre missionnaire de Bongwanou. Pastor Yorowa is our missionary to Bongwanou. C'est l'éducateur principal de l'école. L'éducateur principal de l'école. He is the main educator of the school. Et le pasteur Conan de Giglo. Our pastor Conan from Giglo. Il est notre spécialiste de brisement de liens. Who is our specialist of breaking of links. Deux vaillants missionnaires nous soutiennent au secrétariat de l'école. Two mighty missionaries are also assisting us at the secretaryship of the school. J'ai nommé le pasteur Bams de Daloa. Pastor Bams of Daloa. Et le pasteur Waou Bertin de Azopé. And Pastor Waou Bertin from Azopé. Donc voici l'équipe qui a travaillé auprès du pasteur Mire Boniface pour la formation des étudiants de la 10e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu. Here is the school, the team that stood by the side of our pastor for the training. Notre école fait des merveilles. Our school is doing wonders. Certains candidats missionnaires sont arrivés seuls à l'école. Some missionary candidates came alone. Ne soyez pas surpris qu'à la proclamation des résultats, ils sont accompagnés d'une sœur.
some of the candidates came alone, but don't be surprised to see them doubled. C'est la manifestation de la bonté de Dieu envers nous. It is the manifestation of the goodness of God. Donc, voici les résultats. Here are the results. Pour le grand, le district d'Abidjan, le for, grand district d'Abidjan. For the district of Abidjan, nous avons le couple Yapo. We have the couple Yapo. Le couple Atta. La sœur Kiki Estelle. Le frère Boyi Richard, la région de l'Agnambi-Tiassa. The region of Agboville and surroundings. Dans la sous-préfecture de Rubino. In Rubino. Le couple Incho. Couple Incho. Pour la région du Bélier. For the region of Bélier. Pour le département de Tumodi, nous avons le couple Ngoran. Tumodi, we have. Puis de Kossou, nous avons le couple Aka. Département d'Atiekwakro, nous avons le frère Aouti, Serge et la sœur Adou Marie-Josée. Sous-préfecture de Kokumbo. Nous avons le frère Kimou Jean-Sylvestre et la sœur Golu Ange René. Sous-préfecture de Gekanou, nous avons le frère Kouadio Nguessan Rémi. La région du Cavali. Pour le département de Blonequin, nous avons Okeyi Paul Mondésir et la sœur Tia Yuan Alice. Le département de tout le bleu, le frère Paki Godo Serge Donald et la sœur Akewa Daniel. Pour le département de Giglo, nous avons le frère Pan Fezada Sylvain et la sœur Aka Abou Géraldine. Pour la région du Béké, sous-préfecture de Guébonoua, le frère Agnero Evra Priva. La région du Gor, pour la ville de Oumé, nous avons le couple Brou. Pour la sous-préfecture de Diégonefla, nous avons le couple Digbo, la région du Contougo, dans le département de Nancyan, nous avons Da Bébé et la sœur Tano Antoinette. Pour la région des Grands Ponts, Songon Kassamblé, le couple Conan. Préfecture de Lupo, Lopou, le couple Etekou. Sous-préfecture de Toupa, le couple Esso. Département d'Alepé, le frère Boho Franck Ezekiel. Missionnaire basé à Dabou, chargé de la prière, la sœur Loba Francine. La région du Haut-Sassandra. Dans la sous-préfecture de Bokoué, le couple Seri. Sous-préfecture de Seitifla, le frère Baza Lucien et la sœur Kei. Et là, c'est Doris.
Baza Dalowa, chargé de la prière, la sœur Bamban Goyo, Amouin Biba, dans la région Ifou, département de Wélé, le couple Seri. Dans le village d'Agosou, le frère, le couple Afian plutôt. Pour les sous-préfectures de Dembokro, le couple Adou, Gobena Serge et la sœur Obrou Pascaline. Le frère ne se porte pas bien, c'est pourquoi il n'est pas là. Le village d'Assa Oufoué, le couple Koumi, pour la sous-préfecture d'Andé, le frère Ngoran Kwasi Antoine, dans la région du Kabadougou, le département de Mandinani, nous avons Adaye Kwasi Sébastien et Adou Abena Koumamari. La région de l'eau du bois, département de Guitry, le couple Ingia. Dans la région de la Maraoué, et précisément dans le complexe sucré de Sucrivoire, il y a la sœur Yao Adjoa Larissa. La région du Poro, département de Dikodougou. Nous avons Jésus Yao Bertrand et la sœur Gelou Tiziana Modeste. Faire Kessé Dougou, le couple Digbe. La région du San Pedro, dans le département de Sassandra, nous avons le couple Degoua. La région du Sud Komoué, nous avons mis un pied dans la première localité du Ghana. Pour le Sud Komoué, nous avons Elibo, le couple Ngetia. Dans la région du Tonkwi, à Man, nous avons le frère Kimou Gisser Roland et la sœur Kabena Amena Aïe Dorine. Département de Sipilou, Mbrasa Kwame Jules et la sœur Touré Tokwa Esther. Sous-préfecture de l'eau Gualé, nous avons le frère Ban Alvin Joël. Nous revenons dans le département, dans la région du Poro. Dans la ville de Sinematiali, nous avons la sœur Mbang Kwadale Sylvie et la sœur Kwaku Agia Nzian. Nous avons des stagiaires. Continuer d'aider pour que nous puissions les envoyer très prochainement individuellement. Dans le district d'Abidjan, nous avons le couple Tarzon.
ta sœur, nous pourrons te lancer. Dans la région de Haut-Sassandra, et précisément à Daloa, nous avons le frère Seri Gozo Michel. Je voudrais préciser que quand nous parlons de couple, ça voudrait dire qu'ils sont mariés. When we talk about couple, it means that they are married, man and woman. Quand on dit les deux noms, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas encore mariés, mais ils sont partants pour la mission dans la même localité. When we say both names, it means that they are not married yet, but they are going into the same place. Que Dieu nous bénisse. God bless you. Donc voici les frères qui seront envoyés. Here are the brethren who will be sent off. Pour cette dixième session de l'école de la connaissance et du service de Dieu. During this 10th session of the School of Knowledge and Service of God. Je vous remercie. I thank you. Tenons-nous debout. Please, let's stand up. Envoyons ces frères et sœurs. Let us send these brethren off. Envoie-les. Send them off. Envoyons-les. Let us send them off. Est-ce que tu as bien compris ce qu'il dit? Ça veut dire que même si les autres rétrogradent, ils restent tes enfants. It means that even if the others backslide, they remain your children. Toi seul, tu peux t'occuper d'eux. You yourself, only you, you can care of them. Mais tu ne seras jamais seul. But you will never be alone. J'ai vu la main de Dieu. I have seen the hand of God. Nous ne serons jamais seuls. We shall never be alone. Leur nombre va s'augmenter. Their numbers will increase. Et nos forces vont s'augmenter. And our strengths will go augmenting. Je vais vous lire les paroles d'exhortation que j'ai reçues. I will read for you the words that I received from God. Chers missionnaires. Dear missionaries. Le Seigneur vous a élus. Et vous a établi dans son dessein. The Lord has elected you and established you in his purposes. Vous êtes ses co-ouvriers. You are his co-workers. Vous travaillez avec Dieu. You are working with God. En plus du sens de responsabilité que cela peut inspirer à chacun. In addition to the sense of responsibility that can be inspired to anyone. Vous avez, à travers cette expérience, la grâce d'être avec Dieu d'une façon nouvelle. Through this experience, you have the grace to be with God in a new way. Et d'une manière permanente. And in a permanent way. Gardez votre cœur dans l'assurance et dans le repos que le Seigneur vous offre de cette manière. Keep your heart in the assurance and in the rest that the Lord and trusts you this way. Vous ne serez jamais seul. You shall never be alone. Le Seigneur sera avec vous. The Lord will be with you. Il vous élèvera, il vous révélera les choses cachées. He will reveal to you hidden things. Il vous donnera sa sagesse et son intelligence. He will give you his wisdom and his intelligence. Son esprit sera en vous et sur vous. His spirit will be in you and on you. Pour produire en vous l'obéissance. To produce obedience in you. Et pour vous accompagner par des visions, des signes, des prodiges et des miracles. And to lead you with visions, signs and miracles. Allez. Go. Ne doutez point. Do not doubt. Marchez. Walk. Ne craignez rien. Do not fear. Prêchez. Preach. Ne vous taisez pas. Don't shut up.
Chassez les démons. Cast demons out. Guérissez les malades. Heal the sick. Délivrez les captifs. Deliver the captives. Libérez les prisonniers. Free the prisoners. Demeurez dans la grâce. Be in the grace. Marchez dans la lumière. And walk in the light. Exercez la foi et l'autorité. Exercise faith and authority. Le Seigneur sera avec vous. The Lord shall be with you. Tends ta main. Please raise your hands. Prions pour nous. And let us pray. Nous vous envoyons par ces paroles. We send you with this word. Nous vous envoyons par ces paroles. Send you by, with this word. Nous frayons le chemin devant vous. We create the ways in nous frayons le chemin devant vous. Create ways in front of you. Nous renversons les obstacles. We overthrow the obstacles. Nous renversons les barrières. We overthrow barriers. Nous brisons les barrières. We break barriers. Nous ouvrons les portes des villes. We open the doors. Nous ouvrons les portes des villages. We open the doors. Nous ouvrons les portes des familles. Nous ouvrons les portes des familles. Open the doors of families. Nous vous bénissons. We bless you. Nous vous bénissons. We bless you. Nous vous bénissons. We bless you. Que la bénédiction vous accompagne. May the blessing go with you. Que la bénédiction demeure avec vous. Blessing abide with you. Que la bénédiction soit en vous. May the blessing be with you. Que votre vie laisse couler la bénédiction. May your life be in the blessing. Béni soit celui qui vous reçoit. Blessed is the one who receives you. Béni soit celui qui vous aidera. Blessed are those who help you. Béni soit celui qui vous aidera. Blessed are those who help you. Que celui qui vous bénit soit Let béni. Let the one who blesses you be blessed. Et que celui qui vous maudit soit maudit. Let the one who curses you be cursed. Que ses plans ne réussissent jamais. May his plans never que ses succeed. Desseins ne réussissent jamais. May his plans never succeed. Ora baka shoro baka shara ga baka shoro ga baka shara ga baka shoro ga baka shara ga baka shoro ga baka shoro ga baka shoro ga baka shoro. Que l'onction soit sur vous. May the anointing be with you. Que l'onction remplisse les champs de mission. Anointing be with you. Que l'onction remplisse les champs de mission. May the anointing fill your mission. Ora baka shoro baka go 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 baka shoro. Ora baka shoro baka go baka. Que les fleuves d'eau vive coulent de votre sein. May the flowers. Que les fleuves d'eau vive coulent de votre sein. May rivers of life abide in you. Que la grâce vous accompagne. May the grace be with you. Que la grâce vous accompagne. May the grace go with you. Que le pain ne vous manque point. May you never lack bread. Ora baka shoro baka sharga baka shoro baka laka shoro baka laka shoro baka laka. Que les armées des ténèbres vous soient soumises. May all the armies of the darkness be submitted to you. Que le ciel de Dieu soit ouvert au-dessus de vous. May the heavens of God be open on you. Au-dessus de vous. Open on you. Que les visions vous accompagnent. May visions go with que you. Que les signes vous accompagnent. May signs go que with les prodiges you. Vous accompagnent. May miracles be que with les miracles you. Vous accompagnent. May miracles be with you. Pour la gloire de Jésus for Christ. The glory of pour God. Le règne de Jésus Christ. For the glory pour of le God. Règne de Jésus Christ. For the ray pour of le Christ. De Jésus Christ. For the ray of Christ. Baka joro baka go baka joro baka go baka joro baka go baka joro baka. Que ceux qui sont malades soient guéris. May those who are sick be healed. Soyez guéris tous au nom de Jésus. Qu'une muraille de protection vous entoure. There will be qu'une muraille de protection vous entoure. May a protection be with you. Que la sagesse de Dieu vous habille. May the wisdom of God be que with la sagesse de Dieu vous habille. May God's wisdom be with you. Que la sagesse de Dieu vous May habille. God's wisdom be with you. Disons merci à Jésus. Let us thank God. Lord, we thank you. We bless you. We celebrate you for our brethren who are going for you, who are going with you, who are going in you, who are going, oh Lord, to succeed for you. Hallelujah. With you. Offrons acclamation à Jésus Christ. An offering of love. Nous allons à présent écouter l'hymne de l'école. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous allons écouter l'hymne de l'école. We are going to listen to the hymn of the school. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange, alléluia, je choisis le chemin de la croix. Gloire et louange, alléluia, gloire et louange, alléluia.
gloire et louange. Alléluia, je choisis le chemin de la foi. L'école de la connaissance et du service de Dieu, c'est l'académie militaire du Seigneur Jésus. Ceux qui sont prêts à être soldats doivent s'enrôler, et cela pour la vie. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Je choisis le chemin de la foi. L'école de la connaissance et du service de Dieu, c'est l'académie militaire du Seigneur Jésus. Ceux qui sont prêts à être soldats doivent s'enrôler, et cela pour la vie. Gloire et louange, gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Choisis le chemin de la croix. Toutes les nations croiront et obéiront à Jésus. Toutes les nations croiront et obéiront à Jésus. Toutes les nations croiront et obéiront à Jésus. Le roi qui vient bientôt. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Je choisis le chemin de la croix. Je suis soldat militant dans l'armée de mon Seigneur. Je suis soldat militant dans l'armée de mon Seigneur. Je suis soldat militant dans l'armée de mon Seigneur. Je choisis le chemin de la croix. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Je choisis le chemin de la croix. Toutes mes cellules croiront et obéiront à Jésus. Toutes mes cellules croiront et obéiront à Jésus. Toutes mes cellules croiront et obéiront à Jésus. Le roi qui vient bientôt. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Je choisis le chemin de la croix. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Je choisis le chemin de la croix. Je suis soldat militant dans l'armée de mon Seigneur. Je suis soldat militant dans l'armée de mon Seigneur. Je suis soldat militant dans l'armée de mon Seigneur. Je choisis le chemin de la croix. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Je choisis le chemin de la croix. La Côte d'Ivoire croira et obéira à Jésus. La Côte d'Ivoire croira et obéira à Jésus. La Côte d'Ivoire croira et obéira à Jésus. Le roi qui vient bientôt. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Je choisis le chemin de la croix. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia.
obéiront à Jésus. Toutes les nations croiront et obéiront à Jésus. Le roi qui vient bientôt. Gloire et louange. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Je choisis le chemin de la gloire.